Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Spiritfarer. On avait lamentablement échoué le test du dragon d'or, dans le sens où on a réussi à attraper de l'or, mais on n'a pas réussi à contenter Elena en faisant en moins de 7 minutes. On verra la prochaine fois si on peut s'entraîner un petit peu. Savoir s'il faut aller à droite ou à gauche, ça aidera un petit peu. Mais en attendant, on va continuer. Déjà, Elena nous donne une nouvelle quête et nous, on va continuer nos aventures, essayer de faire des choses. Je pense ne pas avoir essayé le lait tout seul. Niveau cuisine. Si, j'ai déjà un lait chaud. Et c'est pareil, est-ce que j'ai déjà essayé le sucre avec des fruits? Je pense que oui. Je commence un peu à pas voir quels sont ces symboles-là dans le wiki. Ça et ça. S'il n'y a pas les illustrations, qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que ça ressemble quand même à du sucre, hein? Mais est-ce qu'il faut que j'utilise un autre sucre? De toute façon, je vais pas mettre de la choucroute avec de la colle, hein? Je suis plus à ça près. Faisons des tests chelous. Elena nous appelle. Non, Beverly nous appelle. Oh! Hé, hey Stella! Je peux le sentir dans mes os. La saison va bientôt changer. Nous devrions jeter un coup d'œil aux fleurs. Tu ne te souviens pas? Quand nous étions voisines, nous avions ces magnifiques anémones dans notre jardin. Tu avais l'air si surpris quand elles fleurissaient chaque printemps. Tu pensais sûrement qu'elles étaient magiques ou un truc du genre. Tu semblais te dire, comment ont-elles survécu tout l'hiver? Bon, les fleurs sont résilientes. Elles se rappellent leur désir de pousser, de voir le soleil, de sentir sa chaleur. C'est ce que je préfère à propos de toi, mon poussin. Tu as toujours été mon rayon de soleil. Je suis heureuse d'avoir été ta voisine. Ta voisine. Puis-je te nourrir, ma chère Beverly? De mémoire, tu aimes la cuisine exotique. Et tant mieux. Elle nous donne de la flamboyante. C'est parfait. On va même pouvoir lui faire un câlin. Parce qu'elle ne s'appelle pas Elena et qu'on peut lui faire des câlins. Ce qui va tout de suite beaucoup mieux. Alors, du coup, au niveau des choses à faire, aller à Edgebourg Lane, aller à Hummingberg, on ne doit pas être très loin. Du coup, là, on n'y est pas. Et construire effectivement sa maison. En plus, on va passer pas très loin de chez Albert et il me manque juste 3 planches de pain. On va donc faire des planches de pain. Où est mon bidule à faire des planches de pain? De l'autre côté, hein. Tout à fait. Donc on a besoin de planches de pain. Je vais m'en faire un petit peu de rab. C'est parti. Oups. Ah, ça c'est mieux. C'est pas parfait, mais c'est mieux. Ça fera le job. On a au moins 3 planches de pain. C'est parti. Direction Albert et direction aussi notre coffre au trésor.
Qu'il a 34-69, hein, on l'oublie pas. 34-69, on a dit que ça faisait de ce côté-là. 34-69, donc un petit peu plus au nord. Et Mimberg, de mémoire, c'est pas très loin, c'est juste là. Hein. On est dans le coin, on aurait pu y aller tout à l'heure, je n'ai pas pensé, mais. On va rusher direction Albert. Je pense que ça va faire de la nourriture dégoûtante, hein, mais. Voilà. Au moins on a testé. Quel pourrait être ce symbole? J'ai essayé le caramel. Oui, j'ai déjà essayé. Ah, attends, j'ai fait caramel au beurre. On en est où? Ils sont où? Là, on a muesli et yaourt. Ici, on a fruits et sucrants. Ici, on a sucrant tout seul. Produits laitiers et sucrants. Je commence à plus trop voir ce qui pourrait ressembler à des bonbons. Avec autre chose que du sucre. Si je mets un autre sucre, je peux mettre de l'œuf. Je pouvais mettre de l'œuf aussi avec ça. Du sucre et de l'œuf. Oui, non, du sucre et de l'œuf, je vais obtenir. J'imagine que si je mets des fruits. Alors, pas des. Si je mets ça, je vais aussi avoir des bonbons aux fruits. Oui, voilà. Bah, j'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée, j'ai pas d'idée. Oh! Hé, toi! Je peux le sentir dans mes os. La météo est changeante. Nous devrions jeter un coup d'œil aux fleurs. Tu ne te souviens pas? Quand nous étions voisines, nous avions ces magnifiques fleurs. Tu avais l'air si surpris quand elles poussaient. Tu pensais sûrement. C'est-à-dire, j'en suis pas certaine. Les fleurs sont fortes. Elles se rappellent leur désir de pousser. Sentent le soleil. C'est ce que je préfère à propos de toi. Tu as toujours été présente. Je suis heureuse d'avoir été ta voisine. Peut-être que tu me trouveras. Un nouvel endroit où vivre. Notre chère Beverly est. Ouais. Ça va être l'heure de lui dire au revoir, malheureusement. Donc on va agrandir notre bateau, puisqu'on est là. Oh, mon ami John est en prison. C'est un forgeron. Il forge des plans d'évasion. Ha 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 ha. Alors, dans la table à dessin, on n'a plus rien à faire. Ici, il nous manque un petit peu de sous. Et ici, on peut prendre le solo à la lune pour avancer plus vite. Oui, je prends. Et il nous manquera la figure de proue priant le soleil pour avancer encore plus vite. Et du coup, il nous manquera ici la baleine brave. Hein, il nous manque 20 000. Donc on arrive doucement sur la fin. Hop, et du coup, on va direction
Hummingbird. Alors par contre, il y a pas de... Ouais, on passera peut-être par là, chercher des framboises. Parce que c'est vrai que j'avance pas beaucoup les broutilles, mais on a une broutille. Fera d'ailleurs aller au Dice Boy Hawksbury. Mais on est à 6 fraises et 11 framboises, alors qu'il nous en faut 15 de chaque. Donc on a des choses à récolter. Comme toujours, ici ça doit être à peu près vide. J'en ai que 3, j'espère que ça suffira. Parce que j'en ai pas 4. Je me lance pas dans le jardinage parce que voilà, ça va arriver très vite. Les caisses. Je vois pas de petits trucs aux plongées. Alors je continue de vibrer. Mais il n'y a plus rien. Donc ici, il manque des potions d'expérience, des potions d'expérience, et ici, ah bah, il nous manque des planches de pain pour le truc d'Elena. C'est de l'autre côté, le bois. Donc on va faire un petit peu plus de planches de pain. Parfait, on va arriver à Hummingbird et Vette la nuit. C'est parfait, on va pouvoir trouver Lily. On veut du coup construire le cubicule d'Elena. On va construire bah, par là parce que et bien, tout simplement j'ai plus beaucoup de place. Et on va regarder si on sait ce qu'il faut pour l'améliorer. Une plante. Oui, bah je te construis ta plante. Ici, on devrait pouvoir faire ici. Peut-être aussi les feuilles d'or rose. Je pense qu'on va pouvoir les faire. Faire l'abat-jour et les cadres photos. Et on va aller au sanctuaire. Puisque c'est au sanctuaire que Lily nous attend. Le sanctuaire est droit devant. Et effectivement, il est là. Oh oui! C'est notre visite annuelle à la maison d'Atula Colmar. Waouh, toute la famille est là. Sauf moi. Regarde, oncle Atule. Aux grilles, évidemment. Regarde ton visage. Tu es couverte de la tête aux pieds de sauce barbecue. Et c'est adorable. Maman est radieuse. Elle est si jeune, mais si fatiguée. Regarde ses yeux. Ce sont les yeux de quelqu'un qui ne dort pas. Beau travail, Stella. Gardez maman éveillée avec tes pleurs de bébé. En fait,
Je suis contente que maman dorme maintenant. Elle a besoin de ce repos. En plus, je peux te parler à toi seule et prendre un verre. D'accord, tournons une autre page. Un truc au milieu. Une autre photo du temps où nous vivions en France. Gwen est sur celle-ci. Nous faisons du vélo ensemble. Toi et Gwen me dépassiez toujours. Vous me laissiez derrière. J'imagine que personne ne veut que la petite sœur de son amie ne se tourne autour. Ne tourne autour. Quand j'étais jeune, je l'admirais tellement. Tu te rappelles? Elle disparaissait des mois et finissait par survenir de nulle part. Je pensais qu'elle était audacieuse et extraordinaire. Maman et papa l'aimaient. C'est comme si elle chuchotait à l'oreille des parents. Je suppose que notre maison était un peu comme sa maison. Oh, il y a une carte postale à la prochaine page. Du Japon. Et donc, on a visiblement lu un album photo. Et on trouve Beverly en train de se relaxer. Ce qui nous fait avancer. On va devoir aller à Furugawa. Et... Donc on n'oublie pas hein, qu'on a Jackie qui nous attend dans son hôpital, mais on en profite aussi un peu pour explorer. Surtout avec cette quête avec Lily. Bon, ça suffira. Ça suffira amplement. Mais laisse-moi t'avertir. Je n'ai besoin que du strict minimum. S'il te plaît, n'ajoute rien à mes quartiers. Pas une seule décoration. Bah oups, je t'ai déjà ajouté des décorations. Arrête! J'ai besoin d'un repas. Tu as besoin d'un repas. Tiens, du gâteau. Et je ne te fais pas de câlin. Elle va être très difficile à contenter, Elena. Elle aime pas les câlins. Elle n'est pas contente d'avoir une maison. Et du coup, on va aller ici chercher des framboises. Je sais pas si on pourra aller plus loin. On va aller à la Villa Maggiore aussi, on a un plan qui nous manquait. Maintenant qu'on sait comment bien rebondir sur les parasols, on devrait pouvoir s'en tirer. Surtout en plus maintenant qu'on peut s'élancer. Un petit event, j'arrive petit event. Oui, on te fait les ventes. Je vois pas pourquoi je te ferais pas.
j'ai loupé. Ah bah c'est pas mal. Ça nous fait pas mal d'éclairs en bouteille. Du coup, je sais plus ce que j'ai dit qu'il fallait pour améliorer chez Elena. La feuille de rose et des planches de pain. Les planches de pain, hein, toujours même chose, on peut les faire facilement. Mon stock commence à diminuer, mais... c'est pas grave. Et les feuilles de rose. Les feuilles de rose, ça doit pouvoir se faire pas ici. Pouvoir se faire ici. Alors pour faire une feuille de rose, eh ben, on a exactement ce qu'il faut pour faire deux feuilles de rose. Donc on va les faire. Ensuite on ira chercher nos framboises. Et ensuite on ira à la Villa Maggiore. Et je pense qu'on s'arrêtera là. Long à faire. Voilà. Parfait. Et une deuxième. C'est-à-dire qu'on n'a plus quasiment de lingots de cuivre, qu'on n'a plus quasiment de lingots d'or, mais normalement on a tout ce qu'il faut pour en refaire. Je m'inquiète pas. On va pouvoir faire tout ce qu'il faut ici. Ah bah non, du coup il me manque des lingots d'or. Vu que j'en ai utilisé. Eh ben, on fera ça plus tard. Elle va être super méga pas contente. C'est le matin. J'en profite, je fais ça. Nous voilà. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau à l'île qu'on a fait tout à l'heure dans l'épisode précédent. Et il n'y a rien de plus, on est d'accord. On va ramasser un petit peu de bois. Même si c'est pas du tout nécessaire, on n'a pas forcément besoin.
Donc forcément, Elena va être pas contente qu'on lui ait amélioré son chez-elle. Qu'importe. Alors ça fait un bout de temps que j'ai pas géré mes moutons. Ouais, elle est... Elle a pas faim, on va pas lui faire de câlin, donc on va rien faire. J'ai toujours pas d'idée pour là. Parce que j'imagine que si je mets genre du gras tout seul, ça marche pas. On a besoin de lingots d'or, par contre, ça je sais. Et je sais aussi que je n'ai pas mis le fait qu'il fallait faire pause. Donc, quand la manette vibre, on saute et c'est tout. C'est qu'il est l'heure d'ouvrir les caisses. C'est le petit plus appréciable de jouer à la manette. C'est parfait, je vois rien d'autre. Tu continues de vibrer, resterait-il des choses? Moi, je ne vois rien. Donc, je vais dire que non. Et je vais fondre cet or. Oh oui, ça nous a fait en gagner pas mal, hein, le fait de... De faire le dragon d'or, même si on n'a pas réussi à le faire dans l'épisode précédent. On essaiera de le retrouver, hein, c'est pas une catastrophe. Alors, je me souviens que l'or, il faut attendre un peu avant de remonter. C'est trop monté, c'est trop monté. C'est beaucoup trop monté. On recommence. Hop. Et hop. Ça descend, ça descend, ça descend. On remonte. Ça descend, ça descend, ça descend. On remonte. Ça descend, ça descend, ça descend. On remonte. Voilà, là, c'est pas mal. À pouvoir finir d'améliorer la maison d'Elena. Elle va nous râler dessus un max, mais c'est pas grave. Alors, notre expérience culinaire a-t-elle donné quelque chose? Hein, moi, j'aurais tendance à dire non, mais... Voilà, non. Au moins, on sait. Donc, on va ici pour aller récupérer le plan qui nous fait de l'œil, qui nous... Pas qui nous lorgne, qui nous scie un petit peu, qui se moque de nous depuis qu'on sait. Voilà. Puis qu'on sait qu'il y a un plan, qu'on a gagné un bol de céramique. Par contre, je pensais qu'il y avait un plan, moi. Parce qu'un bol de céramique. Je vais pas dire que j'en ai rien à faire du bol de céramique, mais. Je suis content d'avoir un endroit pour dormir la nuit. C'est fini les nuits pluvieuses, monsieur le jardinier. Ouais, puis y a... Bonjour toi. Des pièces. Ok. Je m'attendais à un peu mieux. Je m'attendais à un plan.
coffre à plan. Quand même vérifier sur la carte, hein, mais hop, on se rééloigne. Oui, bah, visiblement, tout va bien. Alors, on va pas aller au mine cache time parce que ça, on y sera parti pour des heures si on fait ça. Mais l'objectif, ça sera Fuku. Où es-tu? Pas là. Y a des choses qu'on n'a pas trouvées au Farikarishima. C'est pas Toroyama, c'est Furugawa, il me semble qu'il faudra qu'on aille. Qui est un petit peu loin, mais qui pourrait limite se faire. Alors, on va vérifier ça tout de suite. Alors, Edgeburg Lane, on n'est pas du tout dans la zone. Furugawa, on a oublié le trésor coulé en mer. Ah là là. Eh ben, on va faire ça tout de suite. Du coup, quitte à prendre le téléporteur, on va aller au. Donc, on a dit 34. 68. Semblait plus proche que ça. J'ai validé où? Donc je veux aller le plus proche de 34, 68. 34,68 étant par ici. En fait, on va retourner chez Albert. Puisqu'on a oublié le coffre au trésor. Donc on va faire le coffre au trésor. Et ensuite, on s'arrête. Alors, on vérifie quand même les coordonnées pour une énième fois. 34, 69. Donc 34, 69. On est passé juste à côté et on l'a oublié. On profite tranquillement pour récolter un peu, s'occuper de son jardin. Gérer nos moutons aussi, qu'on n'a pas géré depuis longtemps. Je suis sûr qu'ils ont faim. Ah, ils ont super faim. Et on arrive au coffre au trésor. Attention. Tout ça pour ça. Pour un anneau, mais bon, c'est un anneau de quête, hein, j'en suis à peu près certaine. C'est pas une babiole à vendre. Donc c'est plutôt cool. D'ailleurs, j'ai fait l'or, ai-je amélioré? J'ai déjà, un... je me souviens déjà plus. Je n'ai pas amélioré. Donc on va finir d'améliorer chez Elena, histoire qu'elle soit mécontente le plus tôt possible. Et qu'ensuite on puisse tranquillement lui faire remonter son contentement. Après, hein, peut-être que du coup, c'est une mauvaise idée. Hein, peut-être qu'Elena va être d'encore plus mauvaise humeur, mais on verra ça, et eh ben,
lors d'un prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce, et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye!